today. Today. Salut, 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 salut tout le monde, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Obeleke Réaction. Vous avez lu le titre, hein, je suis là pour Didoula. Didoula, je suis là pour Didoula, mais avant de commencer, laissez-moi vous dire quand même que voilà, ceci est un épisode de Obeleke Réaction, vous avez compris le nom. Jules a.k.a. Young Zong. Et Jean, comme je le disais tantôt, Didoula, c'est la raison pour laquelle je suis là. Et avant d'aller regarder le clip, d'aller écouter ce nouveau son-là de Ghetto V, voilà, laissez-moi vous rappeler que Ghetto Love est enfin de retour sur la chaîne YouTube de l'artiste. Voilà, l'équipe de Ghetto V est Francis, le beatmaker français du beat qui a été utilisé pour enregistrer ce titre Ghetto Love. Je crois que tout est rentré en l'ordre maintenant entre les deux équipes. Le beatmaker français Francis et Ghetto V, l'équipe de Ghetto V, tout est rentré en l'ordre. Et voilà, le clip vidéo a plus de 1 500 000 vues sur la chaîne YouTube de Ghetto V, qui a été bloqué hier vendredi, dans la journée d'hier vendredi, a retrouvé sa place normale sur la chaîne de l'artiste une fois de plus. Et voilà, ça veut dire que tout a été réglé, tout est en ordre maintenant sur la chaîne YouTube de l'artiste. Ça, voilà, j'aimerais profiter de l'occasion pour dire que voilà, il faut que nos artistes, hein, l'équipe, les équipes, hein, les staffs de nos artistes essayent de faire les choses dans les normes pour éviter ces genres d'inconvénients. Pour que ces genres de trucs ne se répètent pas. Ça fait deux fois avant le cas de Ghetto V, mais c'est comme si il y a toujours nos producteurs, nos beatmakers, nos artistes ne comprennent toujours pas encore ça. Faites les choses dans les normes, comme cela se doit, pour éviter ces problèmes-là. En tout cas, les gars, je suis là pour Didoula, le clip, le tout dernier projet de Ghetto V en collaboration avec Writing et puis Mystère. Que. Voilà, les gars, allons regarder le tout dernier clip de voilà, Ghetto V, Didoula, Jules, Obeleke Réaction. Let's go. Obeleke. Didoula, Ghetto V, Mystère Couronnaise, Writing, Écriture, Let's go, let's go. Writing, Obeleke, ma tonton la mélodie. Ok, écoutez. Ok. GMG. International MC. International MC. Amati Gang. Ghetto V, Couronnaise. Belong Pitcher, voilà, non, Jérémy, voilà. Vous-même, vous savez, c'est une histoire de Kali entre Ghetto V et voilà, Belong Pitcher. Ok. Non, attends. Couronnes, yo. Éloigne-moi des Judas, hein. Seigneur, éloigne-moi des Judas. Elle est son bon artiste togolais ici, en tout cas. Seigneur, éloigne-moi les Judas, les faux amis qui me servent bien. Ceux qui font semblant mais qui dans mon dos, pour des dieux, ton rien me gâte bien. Tiens, ils font semblant en face de lui, mais dans son dos. Ok. Éloigne les turbulences, les manigances et les connivences. Ceux qui dans mon échec riaient danser, pourtant devant t'en pèserait dans la balance. Éloigne-moi de ceux qui riaient quand quelqu'un m'a. Hein? Ceux qui dans mon échec riaient quoi. Pourtant devant toi pèserait dans la balance. Seigneur, où es-tu? Et depuis que tu es, tu sais, fait qu'on était tu. Mais ton silence, mais tu as arrêté d'habitude. Et donne mal à l'altitude, on a trop de blessures. Où renvoie-nous Jésus? On a trop de blessures, où renvoie-nous Jésus? Couronnes est en train d'implorer Seigneur dans ce couplet. Hein. Voilà, il y a un temps de demander de l'éloigner de ceux qui ne veulent pas du bien de lui, de ceux qui étaient là, Harry, quand il était en train d'échouer, quand il échouait, quand il était, voilà, entouré de siècles là, ceux qui riaient là, de lui éloigner de ceux-là, hein, oh, qui a tant de blessures, ou bien d'envoyer Jésus même. Ok. Moi, je n'y compte pas. Parmi les lettres, me compte pas. Tu parles de moi, mais j'entends rien. Aucune valeur comme un faux billet. Logo, c'est moi, tu peux pas.
Tu parles de moi, même je n'attends rien. Aucune valeur comme un faux billet. Hey, tu parles de moi, mais je n'entends rien. Tu n'as aucune valeur. On dirait un faux billet, quoi. Hey, réécoutez cette partie-là. Hey. Tu ne comptes pas, parmi les lettres, ne me comptes pas. Tu parles de moi, mais j'entends rien. Aucune valeur comme un faux billet. Le goût, c'est moi, tu peux pas nier. Attends, c'est moi, tout de bris. Le goût, c'est moi, tu peux pas nier. Ouais, couronne, est-ce qu'on va parler de beatmaking? Quand on va parler, voilà, on peut dire, oui, tu es une légende. You are a goat. Tu es le bon souffle. Tu es le goat. Ça, on ne peut pas nier. Toi-même, tu le sais. Tu vas là comme un faux billet. Le goat, c'est moi, tu peux pas nier. Attends, c'est mon tour de briller, de chiller, de cligner mon humain. Oui, c'est moi le. C'est ton tour de briller. Plein les poches, tes sacoches. Fais que niggas ne me testent pas. Dis-tout là, bienvenue, dis-tout là. Hip-hop legends, hein, que vous m'en donnez, béni à. Ghetto, il va vous dire, on va écouter. Refrain. Dis-tout là, bienvenue, dis-tout là, ouais. Hey, le son là est sorti au bon moment, on dirait, hein. Allô? Le son là est sorti au bon moment ou pas? Hey, le son là est sorti au bon moment ou quoi? Ah oui, avec tout ce qui vient de se passer là, avec Ghetto Love et tout, le son là, le refrain même en dit long quoi. Oh, ok, écoutons le refrain, let's go. T'entends la mélodie, écriture. écoutez la vibe, écoutez le. Megatron, voilà. Est-ce qu'on doit comprendre ça d'une manière de, comme on le dit dans les films fictifs, hein, Megatron. Voilà, il y a un film dans lequel robot de ton Megatron, allô. En tout cas, écoutons le couplet de Ghetto V, let's go. Togo rappelle le vom. Ole gbonyanye benanyem le bom. Rim le dedede. Ghetto il est bleu, mais coup rim le dedede. Ok. Let's go. Nyam le bom. On est zoom, la mode, ma mais ça me nyave na ghetto le bom. Mais ça me nyave na nego le bom. Y'a pour le ke. La saison basse ke. Hey. Non, il y a une chose qu'il faut reconnaître chez Ghetto, c'est que il sort pas moment des techniques, il sort pas moment des phases dans ces couplets qui font que tu vas aimer ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de donner comme flow, comme couplet dans un son quoi. Tu allez, faut l'aimer. Il faut aussi noter l'arrangement de ke. Let's go, écoutez. Ke, on a c'est sûr, là, mais c'est que, ouais, dans les que les gamins, même, il y a une game à battre, yo! Rimal, on t'a foiré. Dis-nous là, hey. J'avais fait une publication ce matin, le matin du samedi, voilà. J'ai dit dis-nous là, et puis j'ai mis le feu, tu allais. J'ai écouté le son, je me suis dit, putain, merde quoi. Ah, let's go. Dis-nous là, ouais. Hey,
vous écoutez le beat, non? Eh, couronnez, j'espère qu'il n'y aura plus de problèmes avec ce beat-là aussi, hein. Parce qu'on ne veut plus. On ne veut plus de problèmes avec aucun son qui va sortir du Togo. Comme histoire de plagiat, histoire de beats non payés, licence. On ne veut plus ça. Nos beatmakers essaient de bien faire les choses. Couronnez, ce beat-là est trop bon, le son-là, je kiffe déjà. Donc j'espère qu'il n'y aura plus de problèmes. On n'en veut plus. Ayo, let's go. Writing, moi j'ai écouté Ragnolé, je vais mettre les deux en même temps pour bien capter les flows, les vibes dans son couplet. Let's go. Ma pauvre, mutinaciola. Ceux qui ont des oreilles, comprenez, écoutez, comprenez. Oh. Mi matio, mi papa, go go go. Ama kaye brena oba avidi nashio. Avidi nashio. Koko eko anya mi atola mi abagbaji. Aye. Mi awela kwa mi ati nyatafe. Mi demi ko double double. Yo le kwe biagi la, yo dare, yo ko double double. Ok. Non, je vais vous faire écouter cette partie là. Yo. Parce que nous sommes sur le droit chemin, nous faisons ce qui est bon. On ne se laisse pas tromper, on ne se laisse pas corrompre par nos émotions. On fait ce qu'il faut faire. Voilà. Chale, writing the flow, writing, right. Les gars là, je crois qu'il doit faire très souvent, plus souvent des collaborations, lui et Ghettoï. Très franchement, écoutez. Oh. Mais les quoi, vous voyez un peu le nouveau concept. Donc, hey, je crois que Ghettoï doit lancer un challenge avec cette danse-là, avec ce son-là. Hey, ça va être grave, France. Ça va prendre de malade. Hey, hey, t'es mal la danse. T'es mal les pas de danse. Hey! Mr. Kouan est trop. Yo! Hey! C'est allé le beat. Hey, couronnez, le beat, hey! Couronnez, les gars, pour mis les capots, hein, alors après! Discours pour vivre les selons, on veut plus ça, hein! En tout cas, les gars! Dis-nous là, est-ce que j'ai encore besoin de trop parler? Est-ce que j'ai encore besoin de vraiment dire des choses? Parce que tout est là en même temps, tout est dit. Le son là, le beat, le flow de tous ceux qui ont participé à la réalisation. Couronnez, Ghettoï, writing. Oh, lui, il est venu tuer le son. Hey, dis-nous là, les gars, c'est sorti, c'est déjà dehors. Le clip cumule déjà plus de 30 000 vues. Voilà, les gars, allez écouter. Vous savez ce que je vais dire à la suite. Voilà, le lien, c'est dans la description de la vidéo. Allez checker, liker, partager, commenter. Dis-nous là, est dehors. Writing, écriture. Ghettoï, couronnez, kékéké. Voilà, ils ont grave assurance. Ouais, dites-moi aussi de votre côté ce que vous pensez de ce son, de ce projet. Dis-nous là. Voilà, dites-moi tout. Hein. Dites-moi tout, je veux tout savoir de votre côté. Voilà, dis-nous là, est dehors. Je le répète, le lien est dans la description de la vidéo. Checker, allez liker, partager, commenter. Voilà, regardez, streamer fort. En tout cas,
tout ce qu'on peut faire là maintenant, c'est ça, hein, de les encourager par ça, par les, voilà, par les lectures de cette vidéo là sur la chaîne YouTube de Gatovi. Les gars, ceci nous ramène à la fin de cet épisode de Obélé qui a réaction le nom, je le rappelle, Jules A.K.A. Young Zolk. On se check au prochain épisode d'ici là. Portez-vous bien. Salut, salut. Bienvenue, que ma bien.